Dans un appartement de 60 mètres carrés, l'architecte Jean-David Benhamou a choisi de donner un rôle central à l'espace cuisine-repas. On a environ un petit 60 mètres carrés, donc l'idée n'était pas de cloisonner au maximum, mais bien au contraire, de faciliter la circulation. Donc l'appartement, avec ce bloc central qui est la cuisine et sa salle à manger, donne la possibilité de passer sur la droite en direction de la chambre de la salle de bain, mais aussi par la gauche. Donc aucune cloison, tout est resté très ouvert. Cette cuisine, en fait, elle est sous-divisée d'une manière assez traditionnelle, puisqu'une cuisine idéale, c'est un petit peu une cuisine triangle, avec trois points importants qui sont le feu, le froid et l'eau. Donc on retrouve le feu avec sa plaque qui est ici, et hop, et la hotte qui fonctionne comme ceci. On retrouve le frigo qui se trouve dans cette colonne, et l'eau qui est juste derrière moi. Donc en fin de compte, on a un petit pas à faire, et encore, pour pouvoir accéder du feu à l'eau, au froid, tout se passe assez facilement. Le bloc cuisine qui a été traité dans un matériau dominant et une couleur dominante, qui est donc évidemment le blanc, comme vous pouvez le voir, a donné lieu à un îlot. Sur cet îlot, on y travaille avec une hauteur traditionnelle d'îlot, mais on y mange aussi. Et plutôt que de ramener une table de l'extérieur, j'ai préféré continuer la partie plan de travail, la redescendre légèrement pour transformer ça en espace de salle à manger. La suspension est un petit élément, c'est pas le seul, qui permet d'oublier que cette cuisine est une cuisine, puisqu'elle est complètement ouverte sur l'espace à vivre. En aucun cas, j'avais envie d'avoir une hotte qui descende, une barre sur laquelle on accroche les couteaux ou les saucissons. Donc j'ai préféré travailler effectivement une hotte dissimulée à l'intérieur et qu'on évite toute poignée. Je sais pas si vous l'avez remarqué, zéro poignée au niveau des portes. Donc on est dans une cuisine totalement ouverte, c'est vrai, mais qui reste un petit peu discrète.